Allô, salut chers amis internautes, bienvenue au niveau de notre 11e et dernière partie de notre formation et portant sur la fabrication d'une enseigne lumineuse. Donc aujourd'hui on va s'intéresser donc à la simulation, à la question de simulation mais aussi au chargement du code dans le microcontrôleur. Nous avons besoin de charger le code pour rendre possible cette animation et nous aurons besoin aussi d'avoir des exemples de code à partir desquels nous allons nous inspirer pour programmer notre puce Atini 2313. Il faut donc savoir cela. Dans la mesure où la partie graphique du projet est achevée, la partie pilote est achevée, il ne nous reste plus qu'à programmer la puce Atini pour rendre effectif le projet. Avant d'attaquer la question de programmation de la puce, il faut tout d'abord savoir le paramétrage nécessaire à effectuer pour parvenir à charger le code de notre microcontrôleur. C'est au niveau de cette étape qu'on parle d'un système programmeur, un système programme donc ISP. Pour être direct, il s'agit d'un schéma de base qu'il faut respecter pour pouvoir charger le code. Donc je vais vous présenter le schéma en image. Vous allez lire le schéma, le comprendre donc et respecter donc le montage qui a été donc donné au niveau de l'image. Il faut réaliser parfaitement ce montage pour pouvoir télécharger le code dans la mémoire de notre Atini. Au niveau de cette étape, nous aurons besoin d'un programmeur de puces, donc du type AVR comme AVR ISP MK2. Vous avez aussi besoin d'une alimentation de 5 volts supplémentaire. Voici le schéma de base donc à respecter. Et étant donné que j'ai vu le schéma, moi j'ai réalisé normalement un petit dispositif qui respecte ce schéma là et je l'utilise à chaque fois pour pouvoir télécharger mon code. Nous aurons aussi besoin d'un environnement de développement intégré, donc un IDE. Cet IDE s'appelle Atmel Studio. Atmel Studio est un logiciel qui nous permettra de programmer notre puce Atini et Atini 2313 en générant un fichier du type hex.
Voilà des exemples de codes que vous pouvez télécharger et expérimenter. Le dernier code constitue le code de notre projet de départ. Je vais vous donner, donc vous allez voir, tous ceux qui auront besoin de ces codes là et vraiment il faut s'abonner à la chaîne et vous laisser votre email en effectuant la demande. Moi je vous envoie le code par le biais donc de votre email. Je pense que c'est tout pour cette formation. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette formation et je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Je vous demanderai aussi d'aimer, de partager la vidéo au cas où le contenu vous aurait plu. Ceux qui ont la possibilité de nous aider, nous, notre lien PayPal à travers la partie description. Donc, merci. Au revoir et à la prochaine vidéo.